Salut les amis! Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour une présentation de Nadivo. Voilà. Les tout roses, on a fait un rose, c'est un Dinoplus. Là, il y a le QR code ici. Il y a les options. Il fait réveil. Et quoi encore ça en a? Il y a des jeux, il y a des chronomètres, on peut choisir des fonds d'écran. Des musiques aussi. Oui, des musiques. Et là, il y a tout ce qu'on peut faire. Toutes les options. Oui, voilà, c'est ça. Il fait de la lumière aussi. Oui. Voilà le packaging, il se présente. Là, il y a une petite carte. Comme ça. Et quand on... Voilà, elle est bien rigide. Là après, c'est du on voit du Waldibou au Roman. Mais c'est compliqué parce que là il y a un petit bouton. Ça, plus de temps. Voilà, il est bien rose, c'est un beau petit rose pastel. Là c'est où on sort le son. Après là c'est où là il y a un port USB et c'est pour l'allumer. Là il y a un peu une petite manivelle rose dorée un petit peu. Voilà. Vous pouvez que la mettre vers le bas comme ça, pas vers le haut. Après ici elle est légèrement rosée. Voilà. Vous pouvez faire de l'ASMR avec. Voilà, on va l'allumer. Il faut appuyer longtemps dessus. Voilà. Déjà, là, vous pouvez choisir le son. Baisser. Et si vous appuyez longtemps, vous pouvez changer la luminosité. Voilà, on va mettre au max. Comme ça, on voit. On peut aussi changer les couleurs en dessous des touches. Il change, voilà, ça se, vous pouvez les changer ou même ça se change automatiquement. Voilà. Après, ici, le M de menu. Pour là, pour la musique, vous pouvez le mettre en Bluetooth. Je vais vous faire une démonstration. Alors, il y a, comme elle a dit, il y a plusieurs choses. Donc, bah, il y a l'heure. On peut mettre de la musique, on peut changer les fonds d'écran. Donc là, elle va mettre de la musique. Voilà. Donc là, ça sort ici le son. Après, vous pouvez encore plus augmenter le son. Hein. Bon, voilà, c'était un petit exemple. Après, comme j'avais dit. Voilà. Ici, vous pouvez faire des dessins avec l'application. Je vais vous montrer l'application. En fait, avec l'application, on peut faire des dessins et après, on peut les faire comme ça. Et publier aussi. Oui, voilà aussi. Alors, je vais vous expliquer un peu l'application. En fait, c'est une application commune, c'est-à-dire que si on fait un dessin, tout le monde pourra avoir. Vous pouvez la mettre à la vue de tout le monde. C'est ça, tout le monde pourra avoir le dessin. Voilà. Voilà, moi personnellement j'ai fait déjà un dessin, je l'ai posté. Voilà, il y a tous les amis de Hello Kitty. Alors donc là ça s'est transféré ici. Donc pour transférer l'image qui est sur votre tablette, votre téléphone via l'appli, pour le mettre ici, alors vous appuyez sur le petit point ici. Et après vous allez mettre enregistrer dans la galerie du système et ça va l'afficher ici. Voilà. Et après vous mettrez appliquer et ça l'appliquera ici. Et du coup, on peut changer tous les fonds d'écran. Donc, il y a aussi des mini-jeux. Voilà, c'est très important. Ça. Là, il y a l'heure. Et il y a les mini-jeux. Voilà, je vais choisir, on va dire celui-là. Bon, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, abonnez-vous, mettez en commentaire, likez, partagez et voilà. On vous dit au revoir et à bientôt.